Bonjour, ici Jean-Pierre Champagne pour Ça se parle chez vous. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, on va débuter dès maintenant en rencontrant nos collaboratrices avec nous. J'ai Annie Vaillancourt pour le côté culturel. Bonjour. Isabelle Tremblay pour la gestion des matières résiduelles. Bonjour. On va commencer immédiatement avec toi, Annie, qui a un sujet intéressant avec les grands jardins. Alors, tu dois nous parler de cinq femmes, je pense, qui ont un rapport avec des artistes. Qui vont faire quelque chose pour les grands jardins. Effectivement, je vais vous parler de la résidence des possibles. Ah, ça c'est le nom. En fait, c'est que cet été, dans le parc des grands jardins, sur le site du château Beaumont, qui est donc un immeuble qui est désaffecté ou qui n'est plus utilisé par le parc national des grands jardins depuis plusieurs années. Ça c'était l'ancienne entrée, je crois. Autrefois, ça a été l'accueil principal. L'accueil principal, ouais, c'est tout ça. À fait, okay. Pas tellement loin du lac Arthabasca, donc ça a déjà été l'accueil principal, puis ça a été délaissé avec les années. Il y a eu donc des constructions plus récentes, etc. Il y a un accueil beaucoup plus proche aussi de l'entrée du parc, là, qui se trouve près du mont du lac des Cygnes. Donc le bâtiment était désuet, inoccupé. Et la direction du parc souhaitait le rendre à nouveau vivant. Alors, puisque il y a quelques années, au Parc national du Bic, donc un parc aussi qui fait partie de la CEPAC, il y a un projet de création artistique qui a été mis en place et qui a été un succès, le nouveau directeur, André Rouleau, qui est en place déjà depuis quelques temps, a eu envie de reproduire un peu l'expérience ici. Sachant quand même que du côté du parc du Bic, le bâtiment en question aussi des activités est proche de l'accueil. Là, c'est un autre défi avec le château Beaumont, mais quand même, il a trouvé une équipe effectivement de jeunes artistes extrêmement motivés. Des artistes connus ou de la région? Cinq jeunes femmes sont d'ici. Bon, pas nécessairement natives de Charlevoix, mais résident dans Charlevoix, malgré qu'elles vont inviter aussi des artistes d'ici ou de l'extérieur à venir, là, donc de manière ponctuelle durant la saison. Mais oui, ce sont cinq jeunes femmes qui résident ici dans Charlevoix, qui sont toutes dans des pratiques culturelles différentes. Donc le principe est fort simple, c'est que ces cinq jeunes femmes-là ont rebaptisé pour l'occasion le parc, pas le parc, mais le Château-Beaumont, la résidence des possibles, donc où tout est possible, de manière à accueillir cet été les visiteurs, les gens de Charlevoix, bien entendu, à venir participer à des activités ou à des créations artistiques en plein cœur du parc, en pleine nature. On va pouvoir participer. Les personnes vont pouvoir aller. Oui, on va là pour participer. On va pas là pour regarder. Juste regarder. Oui. Là, okay. On n'est pas comme dans un symposium. Alors, les jeunes femmes sont là. Elles vont aussi créer, mais elles vont demander aux gens de participer à la création. Il n'y aura pas juste la création pure et dure en art visuel ou en métier d'art. Il va aussi y avoir des participations de type exploration du mouvement en nature avec le yoga, la méditation, du chamanisme contemporain. Donc, il y a des découvertes à faire là, du théâtre social, des arts clownesques. Donc, en fait, on va aller là en famille. Ouais. C'est intéressant de le dire en famille parce que dans Charlevoix, les gens recherchent beaucoup des activités à faire avec les enfants et on en a peu. Donc là, on va pouvoir y aller en famille et puis pratiquer, interagir avec les artistes et ce, en pleine nature. Je précise que le chasse-moustique peut être très utile. On est quand même au parc du Grand Jardin. Oui, c'est ça. Durant la période estivale, donc du 27 juin, je le précise, jusqu'au 6 septembre. Alors, c'est vraiment un programme artistique original. Qui devrait, je pense, là... Je pense inciter le monde à se déplacer puis à aller voir un peu. Mais ça va-tu se faire n'importe quand dans la semaine ou le monde va y aller dans la semaine puis les artistes vont être là? Probablement que l'ensemble des activités sont presque toutes bien définies. Donc, moi, je vais inviter les gens à aller sur la page Facebook de la Résidence des Possibles. Il y a une page c'est Facebook. Très simple, en fait, hein, l'adresse, c'est vraiment Résidence des Possibles. Donc, vous allez sur Facebook, Résidence des Possibles. Le guide du visiteur du Parc des Grands Jardins aussi donne les détails. Sinon, on peut tout simplement appeler au parc là, et c'est demander ça, à l'accueil. Ceux qui ne sont pas Facebook, qui ne sont pas trop ordinateurs, tu peux aller le quand guide, même. Ouais, le guide, oui. Le guide du visiteur du Parc des Grands Jardins donne le détail. Sinon, on passe un petit coup de fil là, sans problème. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Alors, qui sont les artistes? Tout d'abord, Sandy Valiquette, qui, elle, va travailler plus le domaine des arts visuels. Stéphanie Rochefort, qui est plus, elle, dans le métier d'art. Jessica Crossen, au niveau du théâtre social, des arts clownesques. Emmanuelle Marion, qui, elle, travaille la pratique du yoga
la relaxation. Il va y avoir des séances de yoga qu'on va pouvoir faire sur place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Méditation, donc en nature, yoga, bien entendu, tout adapté aux visiteurs. Oui, on n'est pas dans une classe régulière, donc tout est pensé pour qu'on puisse arriver, être un visiteur, un touriste, un citoyen, Juste de pouvoir participer, tout à fait, puis de prendre un peu conscience là, de l'environnement, donc de prendre une pause, effectivement, de prendre une pause dans l'univers naturel du Père des Grands Jardins. Et puis, Chloé Gosselin, qui va travailler dans le domaine du chamanisme contemporain. Donc ça, c'est une découverte, c'est pas une notion que je saisis très bien encore, donc je vais essayer d'aller l'explorer aussi. Ah, ben, c'est sûr que moi, ça m'intéresse de faire un tour, aller voir ça. Oui. Puis, non seulement les activités sont là pour être pratiquées, mais ces jeunes filles-là qui vont carrément habiter le château Beaumont, parce que le Père des Grands Jardins leur donne la possibilité de résider sur place. Okay. Le château comporte 3 chambres, donc les jeunes filles vont vivre à tour de rôle ou en équipe. Bref, elles vont se concocter un horaire, mais elles vont dormir sur place, manger, donc évoluer sur place. Elles vont pas voyager régulièrement. Non, donc elles pourront accueillir les gens et elles vont aussi offrir café, thé, des petites douceurs, des trucs à grignoter. Donc on peut vraiment venir prendre une pause, s'installer, relaxer, pratiquer les activités, mais voir aussi certaines œuvres en création. Donc le temps où, en dehors des ateliers prévus, les artistes peuvent créer. Okay. Les œuvres sont en vente, donc si les gens veulent acquérir une œuvre coup de cœur, elles peuvent ils le faire. Ils vont être affichés là-bas. Oui, puis le système là, de paiement va être mis en place, on pourra payer avec les installations du parc, etc., sans problème. Là. Donc on retrouve à la fois un espace de création, un espace d'exposition, un espace de détente, donc quand même 5 pratiques culturelles ou sociales différentes. Donc, je pense que ça va donner une couleur... particulière au parc cet été. Le défi, c'est vraiment la distance. Hein? Le château Beaumont se trouve quand même à quelques kilomètres. Là. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui à l'émission, puis d'encourager la population à se rendre, à visiter ces jeunes femmes-là. Parce que si on veut que le projet soit un succès et puisse se répéter, il faut que notre population... On sait que le visiteur, lui, ça fait partie de son séjour de vacances, il va vouloir aller au parc, il va faire l'effort. Ouais. Nous, des fois, quand on est dans notre cocon, on fait moins l'effort, mais je veux vraiment encourager les gens à le faire parce que ce sont des artistes d'ici, on leur donne une belle chance de travailler, de rester dans la région puis de faire quelque chose de totalement différent. Ouais. Ça se voit pas ailleurs. Donc, le défi, c'est la distance, mais écoute, dans un bel environnement comme ça, on peut faire quelques kilomètres de plus, d'autant qu'on peut le faire avec les enfants. Oui. Donc, 27 juin au 6 septembre, on n'oublie pas, Château Beaumont, Parc national. Faites-en une sortie familiale, aller passer la journée-là avec les enfants, aller découvrir, ça vaut, je pense, la peine d'encourager ces artistes-là. Je te remercie beaucoup, Annie. Tu nous fais découvrir des belles choses dans notre beau coin de pays. Ça fait plaisir. On va aller à une courte pause et on va vous revenir avec Isabelle Tremblay qui nous a fait sortir du studio pour aller visiter Compost Pro. On est de retour à Ça se passe chez vous. On va aller rencontrer Isabelle Tremblay de la gestion des matières résiduelles. Bonjour Isabelle, on a fait une belle sortie ensemble. On a sorti du studio. Ben oui. On a été visiter un centre de compostage Compost Pro à Malbaie. Alors, tu peux-tu nous en parler un peu? Moi, j'ai adoré ma visite. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Oui. Donc, dans le fond, Compost Pro, c'est le centre de compostage où on envoie nos matières organiques. Donc, tout ce qui est ramassé dans le bac brun, ça va chez Compost Pro pour être transformé en compost. Et puis, c'est ça, je trouve ça important de montrer aux gens là, le processus de compostage. Donc, je vais vous le décrire là, brièvement, comment ça fonctionne. J'ai été surpris de voir comment c'était immense, comment c'était grand. Ah oui, c'était grand, hein? Donc, d'abord, la première étape, c'est la réception des matières. Donc, quand le camion a fini sa collecte de matières organiques, il se dirige vers Compost Pro et il va décharger là, au site de compostage toutes ces matières. Par la suite, eux, ce qu'ils font, ils font une analyse, ils vérifient quel genre de matières ils ont reçu parce qu'il y a quand même des recettes à respecter quand on fait du compost. On le sait, le compostage domestique et tout ça, il faut faire un certain mélange. Donc, eux, ils vérifient ce qu'ils ont reçu.
Et puis là, ils savent à peu près combien de matières carbonées, les matières carbonées, c'est des copeaux, des feuilles et tout ça, qu'il faut qu'ils mélangent avec nos matières organiques. Donc, ils font une recette à partir de ce qu'ils reçoivent. Donc, c'est comme je l'ai dit, ils mélangent ça avec des copeaux, de la sciure, ça peut être des feuilles mortes, en tout cas les matières qu'ils ont sur le site disponibles, afin de respecter là, la bonne recette. Par la suite, ben, eux, les Andins, ils les font avec une pelle mécanique sur le secteur où nous, on envoie nos matières. Donc, ils mélangent les matières avec une pelle mécanique. C'est important que ça soit mélangé. Hein? Oui, régulièrement. Ben, là, tout ce qui est compostage, ça prend de l'oxygène. C'est ça. Puis, il y a aussi pour réguler les températures. Oui, c'est assez chaud. Hein? Oui, c'est ça, ça monte quand comme même. Comme en studio. Oui. Comme en studio aujourd'hui. La même chose. Exactement la même chose. Donc, il y a quand même un processus de fermentation. Le compost reste un bout de temps là, sur le site pour permettre là, au mélange de travailler. Donc, dans le fond, les micro-organismes vont se mettre en marche, ils vont transformer la matière pour créer de la terre, dans le fond, notre compost. On parle-tu d'une soixantaine de jours, je pense, qu'on avait entendu? Ça se peut oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, oui, il y a quand même une certaine durée. Là, puis plus tu le brasses, plus tu t'en occupes, moins ouais. C'est long. Là. Okay. Donc, ça dépend vraiment là, de ce qu'ils font sur place, mais habituellement, là, c'est à peu près ça. C'est ça. Ce qui est important, on a parlé que ça chauffait beaucoup. Oui. Donc, il y a le contrôle des températures. Donc, il faut vraiment assez régulièrement passer puis prendre la température de nos andains de compost parce que ça peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius et plus. C'est très quoi chaud. Un andain? Un andain, c'est vraiment un petit monticule de compost. Là. C'est comme une petite montagne en long. Non, puis il y en a beaucoup là-bas. Oui, c'est immense, il y en a beaucoup. C'est incroyable. Ouais. Donc, dans le fond, il y a une personne, un employé qui se promène avec son thermomètre puis qui vérifie vraiment à plusieurs endroits dans l'andain la température. Puis si la température est vraiment trop élevée, là, il faut brasser. Parce que sinon, le compost, ça peut vraiment brûler puis se transformer en cendre. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, si ça chauffe vraiment. Pas là. Ça, ah oui, ça devient vraiment très, très, très chaud. Donc, il faut vraiment là, surveiller la température constamment. Et puis, en même temps, bon, on vérifie pour l'humidité. Donc, on peut avoir besoin d'ajouter de l'eau aussi. Vu que ça chauffe, bien, toute l'eau, dans le fond, s'évapore. Oui. Donc, il y a quand même un suivi important à faire là, au niveau de notre compost, là, un coup qui est rendu là, sur le site. Il y a comme deux sites chez Compost Pro. Il y a le site extérieur qu'on va voir sur les images, là, puis il y a un site aussi plus haut qui est un site fermé et il y a une bâtisse de réception. Oui, là, oui. Où, couvert. Oui, couvert. Donc, dans les serres en haut, c'est trois serres. Il met son compost après qu'il est fermenté pendant quelques temps là, sur le site en bas. Il le monte en haut dans les serres et puis là, c'est un retourneur d'andain qui brasse. Donc, ça brasse vraiment très bien, mieux qu'avec la pelle mécanique. Ouais. Ça oxygène beaucoup. Donc, ça accélère vraiment le processus. Fait que là, le compost mature beaucoup plus vite. Vous allez le voir sur l'image, là, cette machine-là avec c'est vraiment gros, ouais. Quelque chose à voir opérer. Ouais, ça brasse vraiment très, très bien là, les matières. Donc, le retourneur se promène sur les andins, puis là aussi, il faut qu'il vérifie les températures et tout ça. Mais ça se finalise un peu là, dans les serres en haut, là, le processus de compostage. Okay. Donc, par la suite, ils vont tamiser le tout, parce qu'il y a quand même des morceaux qui peuvent rester. Si on met un épi de maïs ou quelqu'un qui a mis une plus grosse branche, ben, elle n'aura peut-être pas composté au complet. Donc, ils passent tout ça au tamiseur pour avoir un mélange plus homogène. Ça. Et puis, suite au tamisage, bien, c'est stocké dans une bâtisse là, où ils mettent vraiment le compost mature. Une fois qu'il est fini, là. C'est ça, il est stocké dans la bâtisse et puis par la suite, ils attendent de faire des mélanges de terreau ou de le vendre en vrac. Donc, eux, ils s'en servent vraiment beaucoup, là, vu que c'est une pépinière. Donc, ben oui, ils font tout leur mélange pour les fleurs et tout avec le compost. Ça bouge beaucoup, hein, c'est ça. Ils en vendent un peu partout dans Charlevoix. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes, là. Il y en a en vrac à la pépinière ou il y en a mélangé dans les mélanges là, de terreau. OK. Donc, c'est ça, la maturation du compost là, dans la partie du haut que j'ai parlé, là, c'est environ 6 mois. OK. Ah, quand même, hein? Donc, il faut quand même laisser le temps, là. Mais. Mais peut-être, je viens de penser à quelque chose, je vais peut-être juste dire là, à tout le monde là, que le monde ne peut pas se déplacer pour aller là chercher du compost. C'est vraiment une industrie.
qui vend à l'extérieur. Ça veut dire que le particulier ne peut pas se présenter là. Non, c'est ça. Pas sur le site de Compost Pro même. C'est ça. Donc, il faut vraiment aller chez Pépinière Charlevoix, parce que c'est comme deux compagnies ensemble, là, Pépinière Charlevoix et Compost Pro. Ouais. C'est à la même place, le bureau, disons. Donc, c'est vraiment chez Rona. Puis Pépinière Charlevoix à la même place. C'est ça. Donc, c'est là qu'ils vendent le compost et le terreau. En montagne, c'est très haut, c'est bien situé. Oui. C'est un très beau site. Moi, j'ai été très agréablement surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Non, ça a été une visite très instructive. J'espère que les gens vont apprécier. Bien, je pense que oui. Puis, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire, parce qu'on a... Bon, ça fait le tour. Je voulais ça vraiment dire rapidement un peu comment ça fonctionnait. Oui, parce qu'on a rencontré le propriétaire, M. Jean-Claude Bernier, qui nous a fait visiter le site. Puis, avec Isabelle, c'était vraiment intéressant. Alors, on le remercie en passant de nous avoir accepté son industrie. Alors, on vous invite à regarder le reportage qu'on a fait. Donc, bonjour. On est présentement à l'émission « Ça se passe chez vous ». On visite le centre de compostage Compost Pro. On est avec M. Jean-Claude Bernier, qui est le propriétaire. Donc, depuis 2011, au niveau de la MRC de Charlevoix, on transporte nos matières organiques, les bacs bruns, ici, chez Compost Pro, pour les faire composter. Donc, M. Bernier, bonjour. Bonjour. Les matières organiques qu'on apporte chez vous, est-ce que ça a été profitable pour vous au niveau du centre de compostage? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu? Bien, je pense que c'est une bonne occasion de valoriser des produits qui allaient avant au site d'enfouissement. On leur donne une deuxième vie en les compostant puis en les mettant dans des mélanges qui vont être étendus sur du sol agricole. On voit peut-être en arrière-plan, je ne sais pas si les gens voient, là, c'est vraiment les andains là, de compost qui ont été faits avec nos matières organiques. Ce qui est important de préciser aux citoyens, c'est qu'avec notre matière organique, on produit du compost, donc une matière qui est importante pour le sol. Et il faut vraiment faire attention au rejet. Donc, si vous voyez un peu à l'arrière-plan, on voit qu'il y a quand même des déchets. Donc, M. Bernier, vous, au niveau du compost, qu'est-ce que vous remarquez le plus souvent là, dans les rejets qui pourraient être retrouvés? Bien, il y a beaucoup de plastique. Il faut penser que tout ce qui est plastique, généralement, n'est pas compostable. On voit des chaudières de 5 gallons. On a même des planches à découper des fois, des pots d'un gallon. Des pots de verre, ça, c'est encore pire, parce que le pot de verre, quand les machines passent, souvent, ça va casser, ça fait des éclats. C'est la raison pourquoi que tout ce qui vient de matière récupérée et pas retourner sur les terrains privés pour éviter qu'il y ait des accidents par des éclats de verre ou des choses comme ça. Ça s'en va sur le terrain agricole pour la matière comme ça. Si vous aviez, M. Bernier, un message à passer là, devant la caméra pour justement de récupérer, est-ce qu'il y aurait une façon de dire à tout le monde de faire attention, de vraiment vérifier tous les produits qu'ils vont déposer? Bien, je pense que c'est très important parce que tout ce qui ne peut pas se composter, pour nous, c'est du travail énorme de plus parce qu'il faut le récupérer pour pas qu'il parte au vent. Et puis, quand on fait le tamisage, tout ce matériel-là, il faut le retourner à RIDES à des prix très élevés. Ah. Fait que si on veut garder les taux de collecte sélective à un coût raisonnable, bien, je pense que chacun des citoyens ou citoyennes doit faire un effort pour éviter de mettre dans le bac de récupération ce qui n'est pas compostable. C'est ça, c'était bien. Oui, c'est vraiment important, là, parce que présentement, ça nous coûte moins cher de composter. Donc, si on veut que ça continue dans cette optique-là, il faut vraiment dire aux gens, faites attention, mettez vraiment ce qui va dans le bac, tout ce qui est en plastique. On prend seulement les sacs en papier, aucun sac en plastique. Les sacs qui sont écrits compostables, qui ont l'air d'un sac en plastique, là, on les accepte pas dans la collecte. C'est vraiment des sacs en papier ou loose dans le bac, emballés dans du papier journal. Donc, les pots de fleurs, il faut vraiment enlever la fleur du pot. C'est important là, que les gens fassent le tri pour permettre là, de garder un compte de taxes, disons, bas. On veut un bel environnement. Je pense que c'est à chaque citoyen, justement, de faire un petit effort pour essayer, justement, de se rendre là. Je pense que c'est assez important de le dire. Ouais. Il y a une question que je voulais poser. On parlait ensemble, M. Bernier, tantôt. On a visité, justement, votre installation. Vous avez un terrain immense et vraiment bien arrangé. Vous me disiez que des fois, vous aviez des inspecteurs peut-être qui se déplaçaient pour venir visiter votre site. Puis est-ce que vous avez eu des commentaires? Bien, on a des inspections assez régulièrement. L'an passé, il était 5 pour faire le tour, pour savoir tout ce qui se passait, parce qu'il y a une problématique avec certains centres de compostage au Québec, surtout dans les années précédentes. Et puis, ils veulent s'assurer que tout est à l'ordre, tout fonctionne. Ils sont venus 5, ils ont passé quelques heures à faire le tour.
On s'est fait dire que c'était un des sites les mieux opérés, les mieux gérés au Québec. On en est fiers. Ben oui. Puis, mais c'est bien de le dire, ça, quand même. Je pense que c'est important aussi pour les gens de le savoir, parce que c'est là que c'est encore plus important que les gens qui nous envoient du matériel laissé fassent le tri au point de départ, qui nous envoient si c'est compostable. Oui. Pour nous, ça va nous aider à garder le standard de qualité qu'on veut faire. Et puis, je pense que c'est à l'avantage de toute la population de savoir que ce qu'ils nous envoient, c'est pas envoyé n'importe où, c'est réutilisé puis composté, puis suivant des normes environnementales qui sont très sévères. Mais félicitations à votre entreprise. Merci. On espère que vous avez apprécié la vidéo, le reportage que vous venez de voir. On va retourner à Isabelle Tremblay pour terminer. On a su qu'il y avait plusieurs normes à respecter pour le compostage. Peux-tu nous en parler un peu? Là, pour le citoyen, c'est important. Là? Ben oui. Ben c'est sûr que le compostage industriel, ça se fait pas de même sur un terrain n'importe où. Ouais. Faut vraiment qu'il y ait des normes de respecter. Donc, le site de Compost Pro a vraiment obtenu son certificat d'autorisation du ministère du Développement durable. Donc, il a changé de nom, en tout cas. Il a un nom assez compliqué. Il respecte vraiment les règles en place. Le site extérieur, le gros site, il est vraiment étanche. Il est sur fond d'argile naturelle. Donc, naturellement, le sol, là, il y a une très grosse couche d'argile. Donc, ils ont pu faire un site extérieur sans dalle de béton grâce à cette couche d'argile-là. Eux, ils mettent vraiment une grosse couche de copeaux aussi pour absorber le plus possible ce qui pourrait sortir des andins. Et pour y avoir été tous les deux, là, on peut vous dire aussi qu'il n'y a aucune odeur. Non, c'est on ça. On a été il y a très vraiment, surpris, là... aucune odeur. Il y a vraiment ça, je m'attendais ça toujours à un petit quelque chose, mais zéro. Ça fait qu'on ne peut pas les blâmer d'avoir des odeurs. Là, c'est vraiment contrôlé. Oui, parce qu'on était vraiment dedans. Là, puis ça ne sentait pas du tout les déchets ou la matière en putréfaction ou quoi que ce soit. Là, ça sentait normal. Il n'y avait pas d'odeur nauséabonde. Donc, eux, c'est ça. Il y a quand même des drains qui captent autour du site les lixivia qui pourraient être produits, là, ce qui n'est pas absorbé par le lit de copeaux, disons. Ouais, donc, tout le jus de compost est dirigé vers un étang de traitement. Ouais. C'est un marais artificiel. Qu'on a vu, oui. Oui, il y a 4 bassins. Donc, dans les bassins, il y a des quenouilles. Donc, c'est filtré naturellement. Là, c'est de la phytoépuration. Donc, c'est vraiment les plantes qui, avec leurs racines, vont filtrer l'eau. C'est eux ça. Vont absorber toutes les matières, l'azote et tout ça. Il faut le savoir quand même. Hein? C'est quand même beaucoup, c'est bon, de, beaucoup d'informations. Oui, hein? C'est bon, ça? Un bon terme. Donc, c'est ça. C'est... Donc, vraiment, là, les étangs de traitement là, qui vraiment filtrent tous les produits qui pourraient être dans l'eau. Puis quand l'eau est rejetée là, dans un petit fossé là, plus loin, là, elle respecte les normes, elle est correcte pour être rejetée dans l'environnement. Vous nous a parlé, vous avez entendu dans la vidéo aussi que les inspecteurs peuvent se présenter régulièrement, puis ils n'ont rien à dire à cette place-là. C'était entretenu parfait. Oui. Mais en finissant, Isabelle, t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Bien, peut-être dire aux gens là, de faire attention. C'est sûr qu'on a parlé un peu, là, mais pour les rejets ou ces choses-là, c'est vraiment important de prendre les sacs en papier. Oui. Les sacs en plastique, biodégradables, compostables, on ne les met pas, ça ne se composte pas bien, ça part au vent. OK. Donc, c'est vraiment des sacs en papier exclusivement. On fait attention vraiment, là. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, de ceux qui compostent, là, de contrôler le bac brun. Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas dans le bac brun. Alors, si vous êtes capable... Puis deuxièmement, c'est des coûts. Plus qu'on met n'importe quoi, plus que ça coûte cher, parce qu'il y a un triage à faire, il y a beaucoup d'employés. Alors, ça nous coûte moins cher de taxes aussi à tout le monde, si jamais tout le monde met la main à la pâte. Alors, ça serait intéressant que tout le monde puisse regarder ça comme il faut. Oui, c'est ça. Il y a une facilité aussi pour les employés là-bas. Là. Oui, donc plus nos matières sont belles à la réception, ben moins ça va nous coûter cher quand on va renouveler notre contrat. Parce que lui, c'est sûr que s'il reçoit des matières, puis il y a vraiment plein de cochonneries, puis ça coûte l'argent trier tout ça, c'est sûr plus, que là. Quand mon contrat, je vais le renouveler, il va me charger plus cher. C'est ça. Donc si on veut maintenir les coûts bas, il faut vraiment faire attention et puis trier nos matières adéquatement. Ah, bien, je te remercie beaucoup. C'était très plaisant à faire comme reportage en plus. J'adorais ça. Mm.
Bien, je te remercie. Puis moi, bien, mon nom est Jean-Pierre Champagne. Alors, on termine. C'est la dernière émission pour la saison. On a adoré d'être avec vous et de vous informer. Je tiens à remercier mes deux collaboratrices qui sont avec moi, Isabelle et Annie. Et sans oublier Lucia, qui s'occupait des loisirs au début avec nous. Je remercie tous les invités qu'on a eus avec nous aussi durant la saison. Et l'équipe de TVCO qui a fait un travail incroyable avec nous. Alors moi, je souhaite en fin de compte une bonne été à tout le monde. Puis on aimerait que vous restiez sur les ondes pour regarder les prochains programmes. Mais en finissant, j'aimerais savoir peut-être, là, avant de quitter, Annie, un petit quelque chose à dire pour cet été à Baie-Saint-Paul, oui. Les alentours? Ben, en fait, nous, on a été ensemble hein, depuis l'automne dernier. C'est ça. On a passé l'hiver à parler de culture. Là, c'est le temps de sortir. L'été s'en vient, la chaleur est là. Plein de belles choses à faire. C'est le temps d'être un citoyen actif et donc de prendre part aux activités culturelles qui sont offertes. Oui, notamment à Baie-Saint-Paul avec Animation Baie-Saint-Paul. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se tenir cet été. On le sait, le festif, marché public avec événements, etc. Mais partout aussi dans Charlevoix. Alors, sortez, allez dans vos municipalités au Moulin. N'hésitez pas parce que c'est là que ça se passe. C'est à l'été que nos organisations sont les plus actives en matière de culture. Donc, ce que je souhaite, c'est avoir donné le goût aux gens d'y aller. Ah, tant mieux. Moi, tu m'as donné le goût. Invitez vos amis, la famille, à venir nous voir à Baie-Saint-Paul. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Ben oui. Et toi, veux-tu quelque chose pour terminer? Ou... Oui. Ben, oui. Dans le fond, une chose plus générale, je veux vraiment dire aux citoyens de faire attention, de trier adéquatement. Je l'ai dit tantôt, mais le bac bleu, c'est la même chose. Donc, le recyclage, le compostage, les matières organiques. Ouais. Donc, mettez les bonnes choses dans le bon bac. C'est ça. C'est vraiment important. Il y a plein d'informations sur les sites, vous ne savez pas. Oui. Puis, une autre petite chose, c'est que tout au long de notre saison d'émission, disons, j'ai donné plein de trucs. Tu semblais intéressé à tout ça. Je voulais participer à... Je me suis un peu compromis, là. J'ai dit que j'étais pour... Mais en fin de compte, oui, je vais le faire. Oui. Je vais le faire, puis j'ai déjà commencé. D'ailleurs, je cuisine beaucoup à la maison, puis je commence déjà à séparer les éléments que je devrais garder pour composter. Alors, ça a fait effet. Ben oui, mais voilà. Il y a l'herbicyclage aussi. Ah non, ça m'a vraiment éveillé sur plusieurs sujets. Ben oui, c'est ça. Fait que là, ça mettre tout ça en pratique. Oui. Alors, je vous en remercie beaucoup. Puis, on souhaite de vous revoir bientôt. Au revoir.